décompresse, c'est le Clash sur la chaîne Asla Igaï. Chien, hygiène, yeah. J'ai l'air fêlé, vu ma tête et juste. Une des passions de Cédric et Romano, draguer ouais. Les familles. Séduire à tout famille, faire jouir. Faire rêver la femme, jouir la femme et l'homme, même les animaux. Ouais, on prend tout quoi, gosses. Tout ce qu'il y a. Les beaux gosses vont se jeter dans l'arène et vous ferez la différence. Vous me signalez n'importe quelle tricherie. Ouais, parce que j'ai un. Cédric Foul, il est un peu biglouche au niveau de l'arbitrage. Chez moi l'autre parano qui recommence. Ouais, je suis pas ça, parano. Ça recommence, c'est reparti là. Tu préfères s'habiller en arbitre? Attention, commence pas à critiquer mon arbitrage à moi. C'est parti pour le clash. Allez. Est-ce que t'as une préférence pour le clash de la drague, toi, Laura? J'adore Romano, mais je vais voter Cédric. Mais alors, c'est quoi cette logique de merde? Attendez, je comprends pas pourquoi vous votez Romano, avant. Mais quoi? Mais qu'est-ce que mais c'est oui, ça? Il faut voir ce que vous allez faire. Il faut que je fasse un choix. Mais t'es gentil, merci. Mais t'as pitié de Cédric? Pitié. Non, c'est non, mais je l'ai eu au téléphone déjà, il est très gentil. Ah, c'est gentil, merci. Il t'a dragué, le dragueur. Ah non, mais t'as non, même pas. Non, pas du tout. Pas il du t'a tout. Promis un cadeau gentil, si hein. Tu votais pour lui. Mais il l'a envoyé. Ah d'accord, il l'a déjà envoyé. Ah, espèce de grosse salope. Bah, quoi. C'est pas à toi que ça s'adresse, Laura, hein. C'est insulte. C'est le mec qui pète un câble, espèce de pute. Bon, attendez la démonstration déjà. Ce n'est pas de la corruption. Oui, après, on va voir. C'est quoi ce. Et là, tu dis rien à l'arbitre. Bien sûr que je dis rien. C'est pas de la corruption, gros. C'est... Bah, c'est bien sûr que si, mais là, tu demandes des cadeaux pour avoir des votes. Eh bien, Romano, je t'autorise à envoyer des cadeaux ou de l'argent aux auditeurs qui votent pour toi. Ouais, bah, moi, je suis désolé. Nous, on joue avec le cœur sans thune. Ouais. C'est ça, espèce de crevard. Team crevard, vas-y, dis-le. Alors, Romano, tu as collectionné les défaites en début d'année au Clash de la Drague. Au début du mois de septembre, il y avait une petite faiblesse. Ouais. Et là, ouais, depuis cette semaine, c'est reparti. Hein. Bah, il fallait remettre la machine en route, quoi. La team Romano est au grand complet ce soir pour mettre une belle pinée à Cédric et pour terminer en beauté ce mois de septembre. Et Cédric, bon, au début de l'année, tu gagnais tout. Et là, il y a une petite faiblesse. Que se passe-t-il? Bah, je sais pas, la team Le Belge, elle est un petit peu. T'as des problèmes informatiques, peut-être? Non, non, je sais pas. On va régler ça de toute façon. La machine, elle a pas chopé un virus, des fois. Non, la team Le Belge, t'es un petit peu fatigué, mais on réactive tout ça. Bon, team Le Belge, ce soir, en action. On compte sur vous. Action, ouais. Bon, allez. De toute façon, c'est pas clair, déjà, comme tu dis les choses. En action, tout ça. Bah, ouais, quoi. Faites-nous rêver. Réactive. T'as quoi comme méthode? Alors, chez qui? Bah moi je vais aujourd'hui, j'ai acheté des sous-vêtements, puis j'aimerais bien que la femme choisisse. Ah, c'est le défilé sexy. Non, c'est pas un défilé. C'est le retour. C'est pas un défilé. Non mais c'est bien, c'est un grand classique. C'est comme quand on écoute un vieux son de Tupac par exemple. Le défilé sexy est de retour. C'est pas ça fait 20 ans qu'on l'écoute, mais on aime toujours le retrouver. C'est un peu comme le défilé sexy de Cédric. Mais je crois que ça n'a pas marché une fois cette méthode. Mais ce n'est pas un défilé. Je ne fais pas de défilé ce soir. Ah, c'est Calagan qui va être content parce que chaque fois il me dit tu vas voir, il va nous la recoller. Elle va pas manquer, c'est pour ce soir. Tu sais que l'autre jour on plaisantait avec Romano et on se demandait quand est-ce que tu allais nous refaire le livreur de pizza et quand est-ce que tu allais refaire le défilé sexy. Bonjour. Et Romano nous disait tu vas voir, il va leur faire bientôt le défilé sexy. Bah ouais, bientôt. Ça y est, pas manqué. C'est pour ce mercredi soir, 30 septembre. Allô? Allô, Paul? Allô? Oui, c'est la femme de Paul? Oui. Bonsoir, comment ça va? Ça va? Ouais, nickel. Eh, dis-moi, je t'appelle parce qu'aujourd'hui là, j'ai acheté deux trois caleçons là. Et j'aurais bien aimé que tu m'aides à choisir lequel je vais mettre demain, j'ai un rencard avec une meuf. Allô? Oui. Ouais, Paul, comment vas-tu? Ah, c'est Paul qui va choisir. C'est Paul? Qui? Bah, c'est François au téléphone. Je parlais avec ta femme là parce que je me suis acheté deux trois caleçons là parce que demain soir, j'ai rendez-vous avec une meuf et je sais pas lequel choisir pour demain soir. Donc du coup, j'aurais bien aimé que ta femme m'aide à choisir. Bah, t'aimais les trois. Bah non, je veux dire, allô. Voilà. C'est de la répartie. Bam. Dante, Cédric, tu achètes trois caleçons parce que tu es tellement sale que tu es obligé de les changer trois fois dans la soirée. Non, c'est pas ça. C'est pour les trois ans à venir. Les trois étaient magnifiques, donc je savais pas lequel choisir, tout simplement. Je réponds à la question de Tranquille sur SMS. Ah non, désolé, Tranquille, c'est pas ça. Il est tellement sale qu'il est obligé d'en mettre. Ah non, bah à la voir. Bon alors, Cédric, c'est à moi donc. Oui. Ouais, t'es pas con, ouais. Tu prends pas de rappel? Ouais, non. Non, ouais. Ah, pas sur cet appel-là. On fera un deuxième tour. Bertrand. La technique est pardon. Allô Bertrand? Oui, bonsoir, c'est qui? Ah, c'est la femme de Bertrand, ça. Oui, mais vous êtes qui, là? Eh bien, c'est Jean-Louis à l'appareil. Sur les nerfs. Jean-Louis, lequel? Le primeur. Le primeur? Oui, et j'aurais souhaité parler à... Ah, comment il s'appelle? À Bertrand. Jean-Louis le primeur, je connais pas. Oui, mais Bertrand, il est là ou pas? Oui, mais vous êtes qui, déjà? Jean-Louis le primeur, vous le connaissez d'où? Eh bien, je le connais parce qu'il m'a commandé des légumes. Il vous a commandé des légumes? Eh oui, donc il faudrait que je lui parle, là. Non, mais c'est un canular, là, ça marche pas avec nous. Ah non. Eh, vous arrêtez de nous appeler, non, là. Non, j'arrête pas, non.
D'accord. Non, vous ne me rappelez plus là. Ah si si, ben, je vais rappeler si tu raccroches. Vous avez compris, monsieur? Non, j'ai pas compris. Vous avez pas compris? Alors, non. Non, vous me connaissez pas là. Moi j'aimerais... J'aimerais non, bien mais avoir... je suis sérieuse là, je suis sérieuse. Arrêtez de nous rappeler déjà. Moi je veux Bertrand moi. Non mais vous, déjà vous avez pas intérêt à nous appeler. Vous nous appelez à un numéro masqué, donc si vous avez quelque chose à cacher. Ah non, j'ai rien à cacher, mais bah, parce que je vais venir. Vous avez votre numéro alors. Bah je vais venir vous voir dans 5 minutes là. Bah allez-y. Je viens et on va faire l'amour. Je voulais me faire dégorger le poireau, si tu es étonné que je suis primeur. Ah, primeur, poireau, je me disais, mais où veut-il en venir? Allô, Bertrand? Non, mais vous êtes dans votre délire, vous. Bon, ben, je viens, alors, et tu me dégorges le poireau? Vous êtes dans votre délire. Ah ouais, complètement. Non, là. Mais vous vous rendez compte? Non, pas trop. Bah, si vous avez bu, allez-vous dessouler ailleurs, il n'a pas quoi. Bu, il se drogue. Oui, je me drogue beaucoup, mais je vais venir dans 5 minutes, là. N'importe quoi. Ah, bah, si non, je... mais vous êtes fada, quoi. Et Bertrand, là, il est dans le coin, il est où? Qui prennent le téléphone. Non mais vous voulez voir avec qui vous parlez là. Eh ben c'est ça, mais je vais vous voir parce que non, je viens. Non mais vous avez pas de couilles à appeler avec votre vrai numéro. Vous pouvez baisser la télé, on entend mal là, ça fait chier. Ouais, mais c'est vous qui faites chier d'abord. Ça t'arrive chez les gens. Ouais, baissez la télé. Non mais il faudrait baisser la télé là. Fou, ça fait à la tête là. Alors attends, putain. Pas mal, Romano, dis donc. J'ai une petite invitation quand même. Ouais, t'as juste. Vas-y, ça. Rappelle, gros. T'as rien du tout. Non, en tout cas, elle était marrante, la dame. Je t'ai rappelé, elle va péter un plomb. Non mais, ou alors, putain, j'ai. Ou alors, elle va pas. Non, ou alors, c'est. Dans l'idée, c'est Marie qui prenne et qui pète un câble. Ouais. Allez, je tente le tout pour le. Il tente le rappel. Ouais, bien joué. Vas-y, tente le rappel. Ouais, on tente, on essaye. De toute façon. Ouais, il y aura un deuxième tour quand même, donc Cédric, tu pourras prendre un rappel, t'es content? Ouais. Bah oui, quand même. Eh bah oui. Comment tu l'as trouvé, la dame, et Romano? Bah l'acheter en l'air, je trouvais ça marrant de se faire jeter en l'air, mais c'est pas le clash de je me fais jeter en l'air, quoi. Quand t'as fait primeur, je me dis, mais il va en arriver où? Eh, il y a eu du dégargeage de poireaux. Ouais, ouais, mais je la sentais. Je me dis, je vais lui mettre une carotte, un machin, elle veut plus décrocher, quoi. Ouais, ouais. Un rappel pour rien, Romano. Eh voilà. T'en laisse encore. Hein. T'as niqué ton rappel. Voilà. Je vous l'avais dit. Non, mais bon, je trouve c'est bien d'avoir tenté. C'est bien d'avoir tenté. Bravo du con. Cédric, allez, on y va. On y va pour ton deuxième coup de fil, tu gardes la méthode du défilé sexy. Ouais, c'est pas défilé sexy, il faut, tu comprends vraiment rien. Bah si, tu défiles, tu vas défiler, non, tu choisis ton calbar pourri là. Non, non, c'est pas un défilé. Bah si, c'est un défilé. Vous ne comprenez vraiment rien. Christian. Et il y a Marine qui se demande, mais est-ce qu'on a eu Christina Cordula en ligne? Non. Juste avant, est-ce que c'est vrai qu'elle avait un petit accent? Ouais, c'est vrai. Il y a également la méthode de la perte des clés, me dit Callaghan, que t'as pas faite depuis un moment. Fais-la vendredi. Pourquoi pas, ouais, je vais noter. Vendredi. Oui. Allô, Christian? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Ben, c'est François au téléphone. François? Ouais, François Hollande. Dis-moi, je t'appelais parce que j'ai acheté 2-3 caleçons là aujourd'hui. Et demain, j'ai acheté 2-3 caleçons là aujourd'hui, j'ai fait un peu de shopping. Et demain, j'ai rendez-vous avec une nana et je sais pas lequel choisir pour demain. Ah, ben, c'est pour lequel que tu veux. Ben non, justement, je vais demander à ta femme de choisir. D'accord. Parce que je sais qu'elle a bon goût, tu sais. Ouais. Et puis, comme ça, à la limite, si je l'excite un petit peu, je pourrais lui faire l'amour. Tout à fait, t'as raison. Ce qui est probable. Ah bah écoute, nickel. Ah bah je vais venir alors. Ouais. Génial, j'arrive dans 5-10 minutes. T'es pas très jaloux toi? Hein? T'es pas jaloux au moins? C'est de la part de qui? Bah j'ai dit c'est de la part de François. François? Ouais, François, son amant. Ouais, d'accord. Bon bah j'arrive dans 5 minutes et puis bah je vais lui faire l'amour. Ouais, d'accord, le couteau il est prêt. Ah bah écoute, si tu veux, pas de problème. Eh bah prépare le couteau si ça te fait plaisir. A tout de suite mon chéri, j'arrive. Ouais, d'accord. Bisous mon amour. Méfie-toi. Oula. Oh, je me méfie, t'inquiète. Oula. Je sais que t'es chaud ce soir, je sais que t'es excité. Oula, Cédric, ça s'est terminé par méfie-toi. Ouais, bah parce qu'il était excité. Et juste avant, un couteau. Eh ouais. Tu vas dire que t'as serré. Des couteaux pour faire l'amour. Une petite invitation quand même. Si tu veux. Ah bah le mec, je dis, tu je vais à la maison. Prends ton rappel ou pas? Tu prends ton rappel? Non, ou pas besoin. Bah, tu prends pas de rappel. Troisième tour. Bah, prends ton rappel, y a pas de troisième. Mais prends-le quand même. Et je fais ce que je veux, t'es gentil. Tu vas pas prendre ton rappel. Tu vas m'engueuler. Bon, monsieur l'arbitre, je vais le récupérer du coup. Romano veut récupérer. Moi, j'aime pas. Ah non, tu faut pas gâcher. Il est à moi. Ah, Cédric, attention, message d'urgence pour toi, excuse-moi. Erwan Gamer qui nous dit, votez Cédric, erreur système, programme, erreur système, votez Cédric. Attends, je relance le truc. Ouais, relance le truc. Je relance la team le belge. C'est un truc dans la gueule, moi. Ma team le belge, il va falloir s'activer là. Tu t'arrêtes là? Ouais, moi j'ai un serrage. Ouais. Bah oui. Ok. Romano, c'est à toi. Rage, c'est une invitation. Quoi. On finit, ouais. Invitation chacun pour l'instant. Philippe. Donc, du coup, j'ai un rappel, moi. Si je t'appelle et je vais niquer ta meuf, gros, c'est pas une invitation. Bah écoute, tu peux toujours essayer. C'est un serrage. Tu seras accueilli. Et t'as un rappel, Romano, du coup? Ouais, du coup. Mais non, il a pas de rappel. T'es malade, toi, quoi. De toute façon, l'arbitre, on sait pour qui il roule. Tu as pris ton rappel. Bah non, c'est. L'arbitre est. T'as pris un rappel. T'es sérieux, toi, quoi? Bah tu le tiens, tu t'en sers pas. Hein, c'est pas à toi, c'est à moi. T'es un ouf, toi. Alors,
m'énerve de gâcher comme ça des trucs. Comme gâcher la nourriture, quoi. Ça. T'es qui? Bonjour. Bonjour. C'est le répondeur. Bonjour, chérie. En effet, c'est le répondeur téléphonique. Bonjour, madame répondeur. Jean-Noël. C'est Jean-Noël qu'on appelle tout de suite. Oui. Oui, bonsoir, c'est Jean-Noël. C'est Jean-Noël. Alors Jean-Noël a fait oui, je crois qu'il a raccroché. Non, mais je crois qu'il y a une fausse manœuvre. Il y a une fausse manœuvre. Non, 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 non. Il y a une fausse manœuvre. Là, il n'y a pas de rappel, gros. Il y a une fausse manœuvre. C'est quoi ça, le coupé? Il l'a raccroché. On vérifie juste. On vérifie. C'est Jean-Noël. C'est abusé, ça. En plus des Jean-Noël, Cédric, c'est rare, on n'en a pas souvent. Donc on en profite. C'est un Jean-Noël qu'on peut profiter. Oui, ça a coupé, Jean-Noël. Vous êtes qui, vous? Eh ben, un copain de ta femme. Jean-Louis, le primeur. Oui, bah vous devez vous tromper, monsieur. Ah non, non, bah je ne me trompe pas, je devais me faire dégorger le poireau ce soir par ta femme. Ah, d'accord, ouais. Donc je allez, viens. Va te faire foutre. Je viens. Non, tu vas te faire foutre. Parce que Skyrock, il le savait. Oh, putain, premier sur le foot. Il le mec est un petit peu nerveux. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Bon, on a passé un bon moment avec vous deux. Pas mal. Deux invitations, une pour Romano, une pour Cédric. Mais qui sera le meilleur ce soir? Lequel vous préférez? Vous avez préféré l'invitation de Cédric et son défilé sexy en calbar? De toute façon, c'est clair, mon adversaire, il galère tellement qu'il a besoin de rappel. Moi, pas besoin de rappel, un serrage tranquille, normal. C'est pour ça que t'as pas voulu prendre ton rappel. J'ai serré Christian pour ça. En un coup, vous avez vu la famille, la team le belge. Votez Cédric, c'est EDRC. Non, je chipote pas pour avoir des rappels. Comme une chouineuse, comme Romano a voulu le faire. Il a fait exprès. Et en plus de ça, il a essayé de me gratter un rappel. Mais bon, lui, il a serré qu'au deuxième tour. À ce moment-là, on aurait dû faire qu'un tour et je le baisais sévèrement. Parce que moi, j'ai serré en premier sur le premier coup de fil. Mais t'as rien serré du tout. Dès le début, j'ai donné le ton. Cédric a eu la peur de sa vie. Ah non, non, non. Eh bien, ce soir, on le termine. On le finit en ce fin septembre. En cette fin septembre. Votez Romano. Romano le micro. R-O-M-A-N-O. Et je vous annonce un truc. On est le dernier jour du mois de septembre. Tout à l'heure, on vous dira qui a été le meilleur. Parce que ça a été très serré pendant tout le mois de septembre. Qui a été le meilleur depuis la rentrée? Votez Romano. Et même depuis le 26 août. Ouais, date de notre rentrée. Mais c'est quoi cette nouveau mais t'es vraiment une salope. Parce que je sais que le 26 août il a perdu, le 28 aussi. Non mais pourquoi on compte fin août? C'est compte par mois. Voilà, fin août on l'a fait. Parce que c'était la fin des vacances. Il a gagné fin août. Et ben pour faire plaisir à tout le monde, je vous donnerai les deux scores, le score du mois de septembre et le score depuis la rentrée. T'as une renonard, Romano. Oui, ah pardon, tu as une crotte de mec. Il est dégueulasse. Ah il est dégueulasse. Romano. Ah Cédric, c'est la famille. T'as les boules, t'as les glandes. Une crotte de mec qui pend. Dans un instant on retrouve Laura en direct avec nous. Cédric, tu l'as vu? Le fa. Non, ça va aller, donne la Marie à la fin. Oh, j'ai faim. Donne-je à manger. Et allez, dans quelques minutes, on retrouve le fa. Votez Romano. Même pas dans quelques minutes, hein, on se le balance tout de suite. La Ygaille. Bon, je vous donnerai le résultat du clash. On nous dit quel beau clash de la drague. Mais oui, quel beau clash. Vous nous avez fait rêver. Dommage que Romano n'ait pas serré. Il y a eu deux invitations. Une pour Romano, une pour Cédric. Le suspense est à son comble. Et je vois quand même des messages étranges. Par exemple, Bûche 17 ans. Qu'est-ce qu'il dit, Bûche? Machine stop. Bonne soirée, l'équipe. Belge, on Mac. Alors ça, je ne comprends pas ce que c'est. Quoi, ça machine il parle en code. Mais de quelle machine parlerait-il, d'après toi, Romano? Romano, ton nom c'est comment? Romano, le prince du hip-hop, Chauvzy. Il y a tellement de nouveautés sur Skyrock que moi je mélange les pinceaux. Alors, non, mais il y a une machine. Et deux messages en dessous. Oui. Maël du 44, Urgence 4, la machine du clash marche pas. Ah putain, merde! Oh ma merde! C'est quoi ces messages là? Je sais pas. C'est étrange, C'est bizarre. Putain, fais chier. Ah ouais, j'ai vu. Il n'y a jamais eu de machine, Romano. Tu es complètement parano, nous dit DJ Schneck. Ouais, bien sûr. Non, mais je vois les messages. Rassurez-vous, la machine du pouvoir est en panne, Romano. Olivier d'Espagne qui est mort de rire. La machine, elle s'arrête pas au secours. Non, il y a Gérald qui dit je vote Cédric. Il n'y a pas de salbotage dans les comptes. Très bien. Bon, on va vérifier ça. Je vous donne les résultats tout de suite, dès qu'ils arrivent, dans pas longtemps, là. Bon, on va donner les résultats du clash, je les ai essayés. Bouge pas, Christopher. Allez, on vous attend pour Christopher. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. J'ai entendu un gros bruit, oui, c'est ça. Bravo. Alors, les résultats du clash de la drague de ce soir. Qui a gagné? Romano ou Cédric? Ça a été très serré jusqu'au bout. C'est pour ça que Momo a fait plusieurs comptages, peut-être. 52% pour... excusez-moi. 52%. J'ai failli donner les résultats. Mais t'es vraiment un enculé. 52% pour... Ah, moi, je vais demander un changement d'arbitre. Pour le gagnant. Non, il est très bien. Je vais écrire à la Ligue du Clash. La Ligue du Clash de la drague. Et 48% pour le perdant. Le gagnant du clash de la drague de ce soir. J'arrive pas à voir. Et avec... 52%. Alors Cédric. Ouais. Ou Romano? Bah donne. Donne qui? Bah montre. Montre. Dis. Ah dis. Parle. Alors les résultats donnent la victoire à
Je vous donnerai les résultats dans quelques secondes. Ah, ça fait bien, après la pub. Ah, mais merde, il n'y a pas. Bah oui, je vous ai dit. On va pas attendre deux heures. Il n'y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Donc je ne peux pas vous donner les résultats du clash après la pub. Je donne donc la victoire tout de suite à Cédric ou Romano. Ah putain, j'ai oublié. Fais chier si je perds. 48 Romano pour Cédric. Oh putain, 52 oui, pour toi. Cédric, 48%. Romano, 52. Et voilà pour les résultats. Alors maintenant, le bilan. Alors, ah oui, les résultats, vous putain. Voulez. Et qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Fais chier. Eh ben, merci à toute ma team Romano. Ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a une galère au niveau de la machine dans la team level ce soir. Ah, elle commence à bugger, la machine, là. Ouais. Ah, on va régler ça. Changer les piles, les gars. Alors, merci en tout cas, ça fait bien plaisir. Une victoire de plus au compteur. Je finis bien le mois de septembre, c'est bien. Merci à vous, je vous aime. Voici donc les résultats depuis le début de l'année. Les teams, écoutez-moi bien, je vous donne donc les résultats officiels du clash de la drague depuis le 26 août. En août, 4 clashs de la drague, 3 victoires pour Cédric, 1 pour Romano. Bravo Cédric. Merci, ouais, merci. Salut les filles. De rien Cédric. Oh, Cédric te rit au nez, Romano, tu entends? Ouais, ouais. Bah, qui rit ce couillon, toujours est-il qu'à ce soir, je l'ai baisé, quoi. Et sur septembre, je le baise aussi. Bah, allez, allez, ta gueule. Alors, sur septembre, l'ensemble du mois de septembre, il y a eu 12 clashs de la drague. Ouais. Sur les 12 clashs de la drague, 10 victoires pour Romano, 2 victoires pour Cédric. C'est Il y a eu un problème au mois de septembre. Ah putain, c'est ça, tout. Ah bah oui, ça a merdouillé, regarde. T'as bien commencé, mais t'as mal fini, du con. T'as merdouillé. En fait, t'as merdouillé sur la fin du mois. Mais je crois que non, mais tu retrouves ton rythme de croisière de l'année dernière. Ouais, 2 victoires par mois. C'est clair. Donc le mois d'août, il est pour Cédric. Le mois de septembre, il est pour Romano. Ouais, quoi, le mois d'août, il y avait quoi, une semaine et demie, deux semaines. Voilà, mois d'août pour Cédric et une semaine. Et le mois de septembre. On dit que je suis en progrès quand même. Eh bah oui, t'es en progrès évidemment. Ouais. Bah merci quand même, merci de votre soutien. Je vous fais des bisous à tous et à mais toutes. C'est quoi, c'est pas les bons scores que t'as donné? Et si on cumule les deux, voilà. Ah, on est à 16 à 11. Non, vous êtes à 16 à 11. 16 clash, 11 victoires pour Romano, 5 pour Cédric. Ah bah ça va. C'est 16 à 11, j'ai dit ouais, il y a un problème. Ah oui, moi aussi, oui, c'était étrange. Effectivement, je suis trop peur en voyant la feuille. Bon, ça nous permet mais j'étais de. J'étais bien baisé quand même. Ah, t'as vu ça un peu, en ce mois de septembre, j'étais bien enculé quand même tout le long. Hein. Parle bien, toi. Ça nous a permis. Franchement, ça fait plaisir. De faire un petit point comme ça sur ouais, la. Ah, allez, merci bon, mes amours, qu'est-ce que je vous aime. Et vendredi, premier clash du mois d'octobre, on met les compteurs à zéro. On écoute Fetty Wap, Trap Queen.